Bonjour, je suis Coco de sortiejazznights.com au Festival de jazz de Montréal 2015. Je suis en compagnie du guitariste français Sylvain Luc. Il est en concert avec l'accordéoniste Richard Galliano. On découvre ce répertoire finalement avec le public, quoi. Parce que bon, on le connaît depuis longtemps, ce répertoire d'Edith Piaf et Gus Wieser. Mais bon, il y a eu une première lecture quand on a fait le disque. Et puis après, il y a le fait de porter une musique à son public. Et c'est étonnant de voir la réaction du public à chaque fois. Vous étiez le bassiste de Richard Galliano dans les années 80. Ah oui, mais ça, c'était au début du siècle, ça. Du siècle dernier. Oui. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas joué ensemble depuis 90, les années 90. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, j'ai rencontré Richard Galliano dans les années, 88-89, voilà. Donc, j'ai fait trois concerts avec lui. En tant que bassiste, oui, la différence, c'est que j'arrivais, par exemple, je suis originaire du Pays Basque, en France. Oui. Voilà, donc originaire de Bayonne, pour être tout à fait correct, ou précis, en tout cas. et donc, ça correspond à mon arrivée à Paris, voilà, en tant que musicien professionnel. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, quoi, de rencontrer Richard. Et qui me propose de jouer en trio à l'époque avec lui. Donc, donc on a mis beaucoup de temps avant de se retrouver. Parce que bon, moi j'avais mes choses à développer aussi. J'ai travaillé aussi en tant que réalisateur, producteur pour de la chanson, quelque chose de plus pop. Et en même temps, je faisais mes projets aussi. Je crois qu'il y avait besoin de se réaliser, en tout cas on avait besoin de se réaliser pour pouvoir mieux se rencontrer et justement se rencontrer sur un duo, voilà. Et après il y a juste l'envie, l'envie de se rencontrer à nouveau et faire de la musique ensemble, partager quelque chose. Depuis l'automne 2014, vous avez fait paraître deux albums, Oui. Deux projets totalement différents, dont un, c'est de vous revisiter la musique de film dans Giù la testa, Oui. Et vous avez La vie en rose, votre hommage à Piaf. Mm-hmm. Alors, vous pouvez nous parler de ces deux projets? Bon, alors, La vie en rose, c'est ce qu'on joue avec Richard Galliano. Donc, alors, La vie en rose, parce qu'on reprend pas mal de chansons d'Edith Piaf, mais pas que. Il y a Gus Wieser aussi, qui est un accordéoniste de l'époque, de la période à peu près de Django Reinhardt, voilà, okay. Et qui était un accordéoniste improvisateur avant l'heure, et c'est un précurseur, quoi, hein, quelqu'un qui a beaucoup influencé toute la génération des accordéonistes qui sont arrivés après. Donc on reprend des chansons de Piaf et des compositions de Gus Wieser. Il y a une raison valable, c'est qu'en fait, cette année serait leur centenaire, en fait. Mm-hmm. Voilà. À tous les deux? Oui. Ok, je savais pour Piaf, mais... Okay. Et pour Gus Wieser aussi. Ah, okay. Donc voilà, c'est la raison est là, donc on a voulu les marier, voilà, sur un projet. Voilà. C'est joli. Hein? Oui, c'est d'autant beau. Plus que je crois que Gus Wieser, à un moment donné, a été l'accordéoniste d'Edith Piaf, mais sur un très court instant, comme ça. Ah, ok, c'est sympathique. Voilà. Sympathique, hein. Oui. Et le projet, donc, Giù la testa, donc, effectivement, alors ça, c'est autour des musiques de films. Oui. Alors, donc, il y a des musiques de films assez célèbres de Ennio Morricone, de Nino Rota, mais il y a aussi du Michel Legrand. Et puis, on n'a pas pu s'empêcher de mêler des petites compositions personnelles, quand même, voilà. Oui, mais bon, c'est vrai que le projet autour de chansons, pas de chansons, de compositions et de musique originale de films italiennes et françaises, voilà.
Vous avec de... Stefano Di Battista. Oui, oui, oui. Hein, voilà. Oui. Non, voilà, c'est un beau projet, ça aussi. Oui. Ouais, 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 c'est vraiment beau. Où il y a, alors nous sommes quatre, c'est un quartet. Il y a Pierre-François Titi Dufour qui est à la batterie et au violoncelle, qui joue les deux magistralement. Et Daniele Sorrentino qui est à la contrebasse et à la basse. Voilà. Accordez la cinquième et la sixième corde de votre guitare pour donner un son de basse. Ça peut m'arriver, oui, oui. Ça peut m'arriver, oui. Pourquoi vous ne prenez pas une guitare à huit cordes à ce moment-là? Et puis en même temps, vous pouvez nous parler de votre technique de guitare. Ben non, parce que je trouve ça intéressant justement. Et pourquoi je prendrais une guitare à huit cordes? Je sais pas. Ben voilà, je puisque, pas j'en ai, moi. Puisque j'en ai six, c'est que je peux désaccorder. Ce, okay. Voilà. C'est trop huit. Après, okay, il y a trop de cordes. Après, il faut prendre une corde pour aller pêcher, pour mettre la corde sur une canne à pêche. Tout ça. C'est trop de cordes, quoi. 8, 6, déjà 6, c'est beaucoup, hein, quand même. Hein. C'est déjà beaucoup de cordes, 6. Ok. Et puis votre technique, parce que vous avez une technique vraiment spéciale à vous, vous l'avez développée comment, ça? Alors, bon, je crois que pour moi, il y a un petit mystère là aussi. Hein. Je ne sais pas trop finalement. C'est-à-dire que. Une vie de musicien et puis avec nos propres contradictions, c'est-à-dire qu'on peut avoir une idée de son à telle époque et puis je sais pas, 5 ans après il y a une espèce d'autocritique qui est permanente, hein, qui fait que ben, on a envie de remettre en question la raison pour laquelle on trouvait que ça c'était parfait, telle technique était parfaite, mais en fait on remet tout en question tout le temps, quoi. Okay. Enfin moi c'est mon cas. Mm-hmm. Mais je dois dire que ma technique de départ vient quand même de la guitare classique. Voilà. Okay. Donc c'est la technique au doigt, donc avec l'équilibre du son sur la main droite. Et probablement parce que j'ai fait aussi du violoncelle et que, et que le violoncelle c'est l'équivalent au niveau de la main gauche, au niveau de la pression. Et voilà, il y a quelque chose de similaire, quoi, aussi, par rapport à ça. Et puis après, oui, c'est un mix de plein de techniques. Je joue aussi au médiator, je joue... Enfin, voilà, je me sers de plein de techniques pour être au plus proche des sons que j'entends sur l'instant. Préférez la guitare sèche à la guitare électrique? Non. Non? Non, ce que j'aime, moi, c'est la musique, en fait. Ok. C'est vrai. Mais on vous voit c'est plus ça. Souvent avec une guitare cornilon. Acoustique, oui? Bah, ça dépend des projets, quoi. Les derniers projets, le projet avec Di Battista, là, c'est assez électrique, par exemple. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Non, j'aime autant la guitare. En fait, ce qu'il y a de génial dans la guitare, c'est qu'il n'y a pas une couleur, il y a des couleurs. C'est-à-dire que chaque guitare représente un monde, quoi. Une guitare folk, c'est un monde avec une musique appropriée, mais on peut aussi détourner une guitare. On peut jouer une pièce classique sur une guitare folk, pourquoi pas. Parce qu'en fait, on est tous assez focalisés, on a un focus sur les instruments. On se dit qu'une guitare folk, c'est pour faire du folk, une classique, c'est pour faire du classique, une électrique rock, c'est pour faire du rock. Mais pourquoi pas essayer de mélanger déjà, et pourquoi pas. Et on arrive à des résultats intéressants parce que on arrive à des sons qu'on n'aurait pas prévus. Et, voilà. Et c'est intéressant l'imprévisible. Dans la vie et dans la musique. Mmh.
avez partagé la scène avec des grandes pointures. Et si vous aviez la chance, vous aimeriez partager la scène avec un artiste ou un musicien vivant ou mort, une personne qui nous a quittés, ça serait qui pour vous? Alors, bah, je ne peux pas m'empêcher de parler aujourd'hui de d'Eddie Lewis, qui nous a quittés hier. Il était un musicien d'origine martiniquaise, mais organiste fantastique français. Et donc, j'aurais beaucoup aimé jouer avec lui. Bon, malheureusement, ça ne pourra plus se faire. Un de mes rêves aurait été de jouer avec Miles Davis. Mais bon, je suis arrivé trop tard. Donc, impossible. Après, oui, des rêves, il y en a plein. De faire des rencontres avec des musiciens de musique traditionnelle. J'aimerais bien faire un projet un jour avec des musiciens maliens, par exemple. J'aimerais beaucoup. J'aime beaucoup la musique indonésienne aussi. Alors, donc, voilà, j'aimerais bien aller de ce côté-là, par exemple, du globe. Après, dans les musiciens qu'on connaît mieux ici, par exemple, et dans le cadre du festival, j'aimerais bien faire quelque chose avec Brian Blade, de ces jours, voilà. J'aimerais beaucoup, ça me plairait beaucoup.